J'espère gagner, de tout cœur. À ce niveau de la compétition, toutes les filles sont au top physiquement. Donc, par rapport aux autres, je ne les ai pas encore vues en vrai. Je les ai seulement vues en photo. Et physiquement, voilà, ça va être au juge de voir. De toute façon, lorsqu'on fait un concours, on a toujours des rivales. Sinon, à quoi ça servirait de faire un concours de beauté? J'ai pas peur, j'ai hâte de les rencontrer, de les connaître, d'apprendre à les connaître, qu'on partage nos différentes cultures. Voilà, j'ai hâte de tout ça. Après, on s'est toutes bien préparées, je pense, la plupart. Et c'est pas avoir peur, c'est parce qu'au final, la décision appartient au juge. Nous, on arrive avec tout ce qu'on a et c'est eux qui choisiront. Et ensuite, c'est une année très dense qui s'annonce. C'est faire le tour du monde aussi, participer à des différentes élections de Miss. Et aussi, la Miss Univers travaille beaucoup dans le milieu associatif. Donc, elle rencontre plusieurs associations dans le monde entier. J'ai pas envie de penser à la déception, à la défaite. Je fais ce concours, c'est pour aller le plus loin. Et on verra. De toute façon, j'ai rien à perdre. Si je la perds, la vie continue. Hein. Et j'ai plusieurs projets pour l'instant, mais j'en parle pas. Et parce que je suis concentrée sur la préparation et sur ce concours. Et après, on verra si ces projets sont toujours là ou s'il y en a d'autres qui arrivent.